Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, partageant la même foi en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Encore un privilège pour nous de voir ce nouveau jour. Seigneur Dieu de l'univers, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu as bien voulu que nous voyions la lumière de ton aurore. Merci pour les battements de nos cœurs. Merci pour le souffle renouvelé. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église nous propose, nous donne à méditer le texte de la femme qui avait la grande foi. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananienne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » Et reprit: « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aussi, ce que cette femme-là a expérimenté dans l'insistance de sa foi, toi également, tu peux l'expérimenter. Crois seulement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la lettre aux Hébreux. Il n'a pas changé un seul temps. Et ce qu'il accomplissait il y a de cela 2000 ans, il continue de le faire parce qu'il est fidèle. Alléluia. Confesse ta foi. Proclame ta foi. Confesse que tu crois en lui. Mais que cela ne soit pas seulement de simples proclamations des lèvres, mais que ça soit quelque chose de vrai en ton cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Moi, je crois en toi de tout mon cœur. Merci pour tout ce que tu es. Je crois en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je le dirai et le chanterai partout. Sur notre terre comme dans les cieux, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Je crois en toi, mon Seigneur. Je le dirai et le chanterai partout, sur notre terre comme dans les cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Un seul Seigneur, notre Père, qui de sa main a créé et tout ce qui l'habite. Je crois en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je le dirai, le chanterai partout, sur notre terre comme dans les cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. C'est la vérité, il n'y a pas Dieu comparable à Jésus. Il n'y a pas de Dieu comparable au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui fit le ciel et la terre, et tout par sa parole. Et rien de ce qui fut
ne fût sans la parole éternelle de Dieu. Et sa parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Alors confesse ta foi. La lettre aux Hébreux nous dit, si une personne manque de foi, il ne peut plaire à Dieu. Et Saint Jacques nous dira que celui qui doute ne s'imagine pas être exaucé. Mets ta foi en Jésus, mets ta foi en Dieu, parce que lui seul connaît ton cœur et il est capable de changer ta situation et la page de ton histoire. Oh, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Nous bénissons ton saint nom parce que c'est toi qui avais augmenté la foi en prière après ces nombreuses chutes. Jésus, nous te rendons toute la gloire. Glorifie ton nom ce matin, ainsi dans les cœurs de tous ceux qui élèvent ce cantique. Ainsi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu augmentes en nous la foi comme les disciples te l'avaient demandé. Augmente en nous cette grâce de la foi, Seigneur. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Tu fus frappé d'admiration quand tu vois cette Cananienne, Seigneur, qui insistait dans sa foi jusqu'à son exaucement. Tu n'as pas ton pareil. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut s'égaler à toi? Bien-aimé, je te demande tout simplement de confesser ta foi. Parce que si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Et nous avons été rachetés par un Dieu qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Et en cela, nous avons la vie éternelle. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Te prie, Seigneur, de bénir notre journée, de bénir la journée de ce Sénégal, des pays en guerre, que
Que ta paix, qui surpasse toute connaissance, Seigneur, remplisse les cœurs. Parce que nous sommes rassurés, convaincus que si les cœurs sont remplis de paix, Seigneur, alors le monde demeurera dans la stabilité. Merci Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je le dirai et le chanterai partout sur notre terre comme dans les cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Alors en cela, restons dans ce cantique et méditons là. Que Dieu dans son infini amour nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeure dans la paix de Jésus.